enseignant, puis que tu aimes ça enseigner, mais que tu aimes aussi varier les choses, tu peux faire beaucoup de choses. Puis le cégep est un milieu de vie très vivant pour ça. C'est que les étudiants, ils ont 18 ans, ils arrivent, ils sortent du secondaire, ils ne savent pas encore où ils veulent aller, puis ils doivent choisir ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas obligés d'être là, ils choisissent et ils sont passionnants. C'est des jeunes. Et puis, comme je disais en enseignant Antigone Danouille, c'est des enfants qui disent « je veux tout, tout de suite et que ce soit entier, sinon je refuse ». Puis à un moment donné, tu leur dis « c'est ça la vie, mais à un moment donné, tu vas t'affronter avec la réalité ». Puis tu les vois vivre ça. Puis ça, c'est passionnant. Ce qui est vraiment passionnant du métier d'enseignant, ben enseignant au cégep, je vais dire la même chose que mon père. Il faut croire que ça va pas tant changer que ça. C'est la possibilité, effectivement, de faire beaucoup de projets dans un milieu dynamique qui permet de varier les choses qu'on fait et le contact avec les étudiants. Si on regarde du côté des étudiants, ben, ils sont vraiment à un âge où ils sont en train de se former. C'est vraiment une charnière dans la façon dont ils perçoivent la vie. Comme disait mon père, ils arrivent du secondaire, ils finissent d'être des enfants et ils partent du cégep, ils commencent à être des adultes. Donc, soit ils confirment des choix qu'ils ont faits, soit ils réalisent que les choix qu'ils pensaient sont peut-être pas les bons, puis en ont trouvé des nouveaux. Donc vraiment, c'est les voir éclore, puis voir ce que eux peuvent te transmettre aussi, puis se remettre en question. J'ai dû apprendre moi-même des choses pour pouvoir le transmettre aux étudiants. Donc c'est sûr que être payé pour continuer à apprendre, puis le transmettre à des gens qui en général sont intéressés, c'est passionnant.